On a un jeu au pied correct, on est dessous, on marque 3 essais. Mais bon, malgré cela, chaque fois qu'on sur les renvois, chaque fois qu'on reprend le ballon, on est indiscipliné, on prend 3 points, donc on les a laissés tout le temps dans le match. Et puis en seconde mi-temps, on s'est un peu laissé aller à jouer beaucoup les ballons dans notre camp. On est tombé sur leur défense et puis voilà. Et puis pas assez de virulence sur les rucks qui ont fait que chaque fois on a été pénalisé et on a été puni ce soir. Écoute, à la mi-temps, on a le sentiment qu'on parle pendant 10 minutes de ces scénarios qu'on a fini par vivre. Donc c'est assez terrible comme constat parce que bon, on s'est dit à la mi-temps, c'est bien, on fait le nécessaire, on fait des fautes un peu stupides, comme j'entendais là. On ne s'organisait pas comme prévu, on ne se structurait pas comme prévu pour sortir de notre camp, surtout à partir de la réception des coups d'envoi. Mais on sentait, mine de rien, qu'on avait une certaine domination, qu'on avait pu concrétiser tous nos temps forts, qu'on était en place, en mêlée, sur les ballons portés, en défense, sur les bases, et qu'en plus, on s'organisait pas mal en contre-attaque, on avait pu marquer et des essais beaucoup aussi en contre. Mais qu'il fallait faire attention parce que avec des petites fautes comme ça, avec ce type de défense, ces qualités de gratteur, on pouvait petit à petit pas arriver à décrocher, qu'ils soient toujours collés, qu'on finisse les matchs contre une équipe plus expérimentée que nous à ce niveau-là, avec des regrets. Et donc bon, ça fait mal parce que je crois qu'on les a donné les matchs. On avait un schéma, on avait systématisé une sortie de notre camp où on passait systématiquement par trois avants pour agrandir un peu l'angle, pour soit pour mon pied, soit pour le pied droit. Mais le problème, c'est que chaque fois, on s'est fait gratter les ballons là. Et voilà, après, on prend des initiatives individuelles autour qui font qu'on se fait pénaliser. Voilà, je pense qu'on s'est compliqué un peu la tâche. Par moment, je pense un peu d'affolement aussi en seconde mi-temps, où on est mal sorti de notre camp. Voilà, donc c'est dommage parce qu'on avait vraiment travaillé ces sorties de balles-là toute la semaine. Mais bon, quand il y a la défense en face, ça ne s'est pas passé comme on le voulait, quoi. La qualité encore de la conquête de la défense et de ce qu'on a produit avec les ballons, c'est impossible de se dire que tout était nul. Je me refuse à ça, mais le meilleur c'est celui qui gagne et aujourd'hui le meilleur a gagné quoi. Même si on va entendre qu'on a produit les jeux, qu'on les a franchis je ne sais pas combien de fois, qu'on a marqué je ne sais pas combien d'essais, on n'a pas su gérer, surtout je crois en deuxième mi-temps, on s'expose à. Évidemment, c'est une belle équipe, ils ont leur ballon, on a les nôtres, mais sur les nôtres, dans notre camp, on a essayé d'enchaîner. Plusieurs temps de jeu, on arrive à franchir, et je ne sais pas ce qu'on essayait, si c'est marqué un essai à 20 temps de jeu à partir de nos 22 mètres, mais absolument pas en respectant la façon de se structurer dans notre camp. Donc on se sort un peu, c'est dommage, ils en profitent bien. Peut-être avec une autre équipe, on aurait fait un gros match contre eux, ils nous ont montré qu'on a encore une marche à franchir.